prendre Sniper Elite. Allez, on est parti. C'est pas un gros jeu, mais... Enfin, c'est pas un gros jeu. C'est un bon jeu. Pas très récent, mais... j'aime bien jouer à ce genre de jeu. Attention, il n'y en a pas derrière. J'ai une grenade pour ceux qui sont en bas. Qu'il avait une grenade à la main, c'était pas le cas. Hop là, double snipe. Bon, je crie pas trop fort parce qu'il y a Madame Seabox qui est derrière là-bas, tout au fond, qui se cache. Alors, ils sont vraiment pas beaux quand même. Enfin, le jeu est beau, mais les persos sont vraiment pas beaux du tout. Ou j'aime pas ce genre de mode. Ah oui, je me jette dans la gueule du loup, quoi. Je pensais qu'il y en avait un qui allait arriver dans mon dos. Mais non, pas du tout. Se dépêcher. Oh là 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 là, d'accord, ok. Oh là là, il y a du sniper un peu partout en plus. On va déjà s'occuper de ceux qui sont au sol. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de snipers. Voilà, il y en a un qui a snipe ici là. Se trouver un abri, hop, être à l'abri des snipers déjà, ce sera déjà pas mal. Par ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, voilà, on va les empêcher d'entrer par ici. Ah ouais, donc ils ont trouvé la technique pour pouvoir m'obliger à sortir. Ok. Je sors. Donc là, les snipers ils vont pas me louper, il y en avait deux ici. On va passer au sniper, hein, si on peut passer au sniper. Aïe. Je vais pas le rater, comme ça au moins on va être tranquille tout de suite avec un premier sniper. Je sais pas combien est-ce qu'il y en a, j'en ai repéré à peu près 3. Deuxième qui suit. Ok. Troisième il est là-bas, voilà, ok. Bien camouflé celui-ci. One shot, pas mal. Bon, ah, il y en a un quatrième, qui vient de sauter par là. Je pense qu'il va me snipe de quelque part là-bas. Hop, voilà, exactement. Ah, il a de la chance, je devrais snipe au vol. Oh là là, il y en a pas mal des snipers, il y a beaucoup de snipers apparemment. Ajouter de la difficulté, nous avons un gros monsieur.
Alors lui j'essaye toujours de le tuer en premier parce que c'est lui qui réanime les autres en fait. Moi si je sors pas de là je suis clairement mort. Non je fasse attention. Je pense qu'ici je serai déjà un peu plus à l'abri. Terrible. Il y a vraiment beaucoup de monde. Petit peu de nettoyage. Là, je suis à l'abri des snipers et ça me permet de pas me faire shooter au passage. Ah donc là il y a un sniper, on vient de voir, je viens de voir le tir sur le côté. Voilà je pense qu'il va aller se planquer quelque part là-bas. Trois balles, trois morts. Devise. On va savoir où est passé le... Où est passé le gros avec sa MP40. Si je me trompe pas, ça va être une MP40. Hop, deux snipers. Un à droite et un à gauche. Ok. Ok. Donc il était ici quelque part. Est-ce que je peux y aller sans? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Je crois que je me suis mis dans une mauvaise posture. Il va falloir que je m'en sorte tout de suite parce que là. Non, apparemment ça va. Où est passé le gros avec la MP40. Il était ici. Ah, plus de balle. Le snipe. Ouais, c'était obligé qu'il se relève. Je sais pas où il est passé, quelque part ici. Non, il est pas là. Est-ce qu'il est? Où est-il? Où est-il? Oh là 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 là, lui il avait une grenade dans les mains. Je sais pas du tout où il est. Espèce de faisceau là, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est ce qu'il y a dans le... Ici. J'arrive à entrer dedans, je sais pas ce que c'est. Cette fillette là qui fait du bruit bizarre. Bon, elle lui a envolé. On va rentrer. Hein. Voilà,
spécial. Ah bah donc voilà, c'était bon. Nouvel objectif, déverrouiller les scellés occultes. J'aime pas ce genre de choses. Ou j'aime pas ce genre de choses. En général, dans ce jeu, quand on entend ce genre de bruit, c'est qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Voilà. Là, ça doit être un sort d'invocation, je pense. Je sais pas du tout ce qui se passe. S'échapper à travers tes tunnels de mort. Ok, donc là à mon avis il faut que je cours par là. On va courir, on va pas s'arrêter. Ils disent de s'échapper. Mais c'est fermé. Donc il va falloir combattre. Voilà. On est obligé de repartir en snipe. Alors les ralentis sont, je trouve que les ralentis sont bien faits, par contre on devrait pouvoir contrôler ces ralentis. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir les désactiver, à moins qu'on puisse et que je le sache pas. Mais à un moment ça devient lassant quand, quand on snipe depuis un moment, avoir les ralentis à longueur de temps ça peut être pénible. Ok, donc j'arrive à la planque. Voilà. Et bah c'est ici que nous allons arrêter la première partie de Sniper Elite Nazi Zombie. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser sous la vidéo, donc dans les commentaires, vos avis. Vos critiques hein, aussi, ça fait avancer les choses. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.